demandant aux entités de venir dans les locaux de la CENI pour échanger sur les recriminations qui portent sur un certain nombre de sujets liés aux élections communales du 4 février dernier. Nous avons donc aujourd'hui reçu une forte délégation de l'UFDG. Je rappelle que demain, nous devons, de la même manière, dans les mêmes conditions, recevoir une délégation du RPG. Il y a beaucoup d'autres entités qui ont compéti, qui nous ont fait savoir qu'ils souhaitent aussi se livrer au même exercice. Donc aujourd'hui, nous avons discuté avec nos frères de l'UFDG sur la récrimination qu'ils ont sur un certain nombre de PV qui avaient soit été écartés ou soit été modifiés. Hein. Je pense qu'à l'issue des discussions, nous leur avons demandé de nous dresser la liste des bureaux de vote qui sont concernés par ces PV, soit écartés ou modifiés. Je crois qu'aujourd'hui même, cette liste va être fournie à la CENI. Et à la CENI, à son tour, devra, en collaboration naturellement avec les démembrements, malheureusement que nous avons mis en congé parce que la loi veut que ces démembrements partent juste après les élections. Mais donc nous allons chercher à les maintenir pour que le démembrement travaille à rechercher ces PV des bureaux de vote. Il se souviendra que dans le cadre des élections, des consultations locales, la loi n'autorise pas que les PV des bureaux de vote soient remontés au niveau de la CENI centrale. Nous recevons exclusivement les PV de centralisation. Donc il s'agira pour nous, dès l'instant qu'on a la liste de ces PV écartés et modifiés selon les termes de l'UFDG, de chercher sur le terrain que ces PV-là soient remontés. Et nous avons donné rendez-vous pour le mardi, hein, mardi je crois, pour que nous puissions procéder à une confrontation des PV, des PV que l'UFDG apportera. Et ce que nous aurons trouvé sur le terrain en termes de PV sortis des bureaux de vote. Je crois que nous avons donc pris rendez-vous pour mercredi pour que cet exercice de comparaison puisse être effectué de nature à ce que qu'on puisse asseoir notre conviction sur les récriminations qui sont reprochées au processus, notamment au niveau, je rappelle exclusivement au niveau des travaux de centralisation. Tout s'est bien passé selon l'UFDG dans le lancement du chronogramme jusqu'au niveau des opérations de vote en passant par le dépouillement et que c'est au niveau des CACV que certains PV ont été écartés et donc il s'agira de regarder pour la paix. Je rappelle simplement que c'est un exercice totalement inédit. Nous avons clos tous les débats liés à ce processus. Toutes les étapes ont été totalement fermées. Mais pour la paix, pour la stabilité de notre pays, aucun exercice n'est de trop. Donc la CENI a cru devoir se plier à cet exercice pour que la paix, que les Guinéens puissent se regarder, travailler dans la paix, pour que notre pays puisse avancer. Et si est-ce que la démarche de la CENI est autorisée par le code électoral c'est ce qu'il a écoutez, dit. Écoutez, c'est une démarche totalement qui n'a aucune base, aucun fondement juridique. Hein. Encore une fois, nous voulons privilégier la paix au niveau de notre pays. Je rappelle simplement que ce que nous faisons à l'adhésion de l'ensemble de la classe politique guinéenne, il n'y a pas que l'UFDG. Tout le monde pense que... Je crois que c'est classique aussi dans les processus électoraux. Si on se rend compte qu'il y a des problèmes autour d'un certain nombre de PV ou de bureaux de vote, rien n'interdit d'aller revoir. Ailleurs même, on fait ce qu'on appelle le recomptage. Ailleurs, on fait ce qu'on appelle... On reprend les élections. Ne serait-ce que dans celles auxquelles on n'en est pas là. Nous sommes en train de voir d'abord ce qui a été fait par rapport aux PV incriminés, les comparer avec ce que nous avons. Et puis naturellement, au niveau de la CENI, nous en tirons les conclusions qui s'imposent, sans vous dire exactement actuellement ce qui va en venir. Ces conclusions pourraient amener, si toutefois la CENI arrivait à avoir la conviction que bel et bien il y a eu des PV qui répondaient aux normes qui ont été substituées ou bien annulées, ces conclusions pourraient amener à un changement de résultat? Non, nous n'en sommes pas là. Il ne nous appartient pas, encore une fois, de changer les résultats qui ont été proclamés au niveau de la CENI. Par contre,
Si nous parvenons à comparer ces PV, nous, naturellement, nous en dresserons un rapport, et ensemble, au niveau du paysage politique de notre pays, en commençant par le président de la République, le gouvernement et le médiateur qui s'est personnellement impliqué, et tous les conseillers du président, on verra qu'est-ce qui doit être fait. L'important étant qu'on n'installe pas les conseillers et qu'ils ne soient pas capables d'être installés, parce qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'entente. Les élections, c'est bon, mais après, il faut qu'à l'issue de ces élections, que tout le monde puisse vaguer tranquillement à ses occupations, normalement. Je crois que c'est ça aussi l'exercice que nous menons actuellement, faire en sorte pour que nous puissions écouter toutes les parties. Il n'y aura pas que l'UFDG, comme je l'ai dit tantôt, il y aura aussi l'APG demain, il y aura l'UFR s'est annoncé, l'UFC s'est annoncé, une candidature indépendante à Bofa, Kissing, s'est aussi annoncé. Je crois que ça va suivre, hein. C'est un exercice auquel nous sommes liés. Je crois qu'il faut travailler pour que les divergences puissent s'aplanir. Est-ce que la CENI s'est fixé un délai pour ce travail plutôt extraordinaire? Non, pour l'UFDG, nous avons pris rendez-vous pour mardi. Nous allons aujourd'hui recevoir un tableau qui dresse les bureaux de vote qui sont incriminés. Nous allons alors à notre tour aller vers les démembrements pour qu'on puisse ressortir les PV de ce bureau de vote, parce qu'il en existe. Bon, lié au fait que pour les élections locales, on ne peut pas, on ne remonte pas les PV au niveau central, mais ces PV-là, qui ont été utilisés par les CACV, sont disponibles au niveau des démembrements de la CENI. Donc il s'agira pour nous d'aller retrouver ces PV le plus tôt possible. Nous estimons que d'ici lundi, on a fini ça et que mardi, le travail de confrontation avec les PV que l'UFDG a peut commencer mardi. Naturellement, ça va continuer avec les autres entités qui viennent aussi, parce que je crois que ça va être le même genre de problème. Ça concernera les PV soit écartés ou les PV qui ont fait l'objet de modifications selon ce que les gens disent. Combien de circonscriptions sont concernées? Pour ce cas précis, en ce qui concerne l'UFDG, je crois qu'il y a 9 circonscriptions qui sont concernées. Conakry, vous avez Ratoma, Matoto, Matam et Dixine. Puis bon, je crois que vous avez Dibreka, Médré, Dibreka et Kindia. Alors, monsieur le directeur, si vraiment l'exercice que vous menez maintenant là a pour but seulement que pour la paix, et si ce n'est pas pour impacter sur les résultats, pourquoi le faire? Écoutez, le fait que cela impacte sur les résultats, c'est une décision qui sera prise à un certain niveau, en association avec l'ensemble des entités qui sont dans le jeu politique au niveau de nos pays. C'est important de noter que la CENI n'a pas pour vocation, dès l'instant qu'elle a proclamé des résultats définitifs, de revenir sur la structure de ces résultats. Ce qui est prévu, c'est de dresser un procès verbal de ce qui a été fait, récriminations que nous avons reçues, de faire en sorte pour que ces récriminations puissent être mis dans un document. Après, on va parler consensus. Et mis dans un document et que cela soit présenté à l'ensemble des personnes aujourd'hui qui œuvrent pour que la paix, la stabilité soit dans notre pays. Et je crois qu'ensemble, nous prendrons les décisions qu'il faut. Parce que, encore une fois, c'est vrai, les lois sont importantes, mais rien de nouveau que la stabilité, rien de nouveau que la paix. Merci.